Non, je rigole, je vais pas voir la suite tout de suite. Waouh, Léna! C'est bon, salut! Hey, salut à tous! Bienvenue à vous, j'espère que ça va bien chez vous. Nous, ça va plutôt pas mal, franchement. J'ai pas honte de le dire, ça va plutôt pas mal. Vous êtes bienvenue dans Poupou l'émission. Poupou l'émission, c'est avant tout votre émission. Alors aujourd'hui, Linda, je vais tout simplement te dire que dans Poupou l'émission, il y aura un subtil mélange d'amour, de musique, de rire. Nous tenterons d'écrire la partition de l'amour. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais avant toute chose, place au générique qui fait peur. Celui-là, il fait un peu peur, mais pas trop quand même, mais quand même un peu. Vous êtes au cœur de Poupou l'émission. Ça me fait peur, mais pas trop. Ouais, ça me fait un peu peur. J'ai hésité à le repasser. Je pense que demain je vais changer parce que cette nuit ça m'a réveillé dans la tête. Je disais, ah non, ça fait peur le générique et tout. Ça va faire pour vos enfants. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Poupou l'émission numéro 6174213. Nous sommes toujours Linda et moi ainsi que notre enfant que nous voyons assez rarement, faut quand même être honnête, coincé dans la Creuse. Mais on n'est pas si mal, Linda. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on est super bien. Ouais, exagère pas non plus. Ton sourire de façade ne trompe personne, même s'il ne te voit pas. Linda, nous sommes le mercredi 22 avril. Aujourd'hui, tout simplement, c'est la Saint-Alexandre. Et Alexandre, c'est le vrai prénom de quelqu'un qui est dans l'émission. Ah, c'est Alain Berthier. Son vrai prénom, c'est Alexandre. Bonne fête. Alexandre, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, comme dirait le fameux groupe qu'on adore. Non. Bah, Alexandra. Alexandrie, Alexandra. Pas mal. Merci, je t'aime, chérie. T'es ma première fan. Et ça, je te respecterai toujours. Linda, justement, comme je t'aime, c'est le moment préféré des Français, celui que tout le monde attend. Je sais que les plus grandes instances politiques regardent cette émission et adorent ce moment. C'est le moment du dicton de Linda. Jingle. Alors, pour marquer des points au niveau de la belle famille, c'est la belle maman qui m'a envoyé ça ce matin. Alors, articule, parce que si c'est ma mère qui l'a envoyé, elle va dire on n'a rien entendu. Alors, c'est « On ne sait pas toujours ce que l'on ignore ». T'es obligé de dire que c'est bien. C'est super, maman, ouais, merci. Le ton de l'émission est plutôt basé sur l'humour, mais c'est vraiment... C'est gentil, en tout cas, à toi de participer et de regarder l'émission et accessoirement de m'avoir enfanté, pas trop dans la douleur, je l'espère. C'est tout simplement l'heure de la rubrique Linda. Culture. Que je n'avais pas noté, mais ouais, culture, bien ouais. Mais il n'y a rien dans ton sac. Si, il faut vraiment que tu vas être tout au fond du sac, c'est tout petit. C'est un peu vulgaire ce que tu racontes. C'est tout petit, c'est pas subtil, Linda. Hein. Oh! Un badge des Ramones! Un badge des Ramones. Ça, c'est cool. T'as trouvé ça où? J'ai trouvé ça qui traînait dans la chambre de la petite. Mais c'est à moi, elle me l'a piqué. Ah d'accord, ok. Eh ben écoute, génial Linda, je pense que les gens le verront pas, mais bon, on le met quand même un peu derrière. Il participera activement. Tu vas faire un truc, une connerie. Ouais. Non, rien. Ça va. Ouais, ah bah tu vois. Et voilà, hey. Je vous avais pas dit, il y a des cascades dessus aujourd'hui. Et c'est l'heure tout simplement de retrouver celui dont c'est la fête aujourd'hui. Oh, attends. Quoi? Qui on a oublié? Alexandre. Oh putain, mais c'est pas vrai. Alexandre Borgia. Alexandre Borgia. Ouais, mais on l'a toujours appelé Junior, alors du coup, voilà. Et on l'appelle Bobor. Et on l'appelle Bobor. Alexandre Borgia, bien sûr, notre sondier, celui par qui, bien sûr, vous avez des problèmes certainement auditifs à être venu nous voir peut-être trop souvent et avoir pris effectivement des tonnes et des tonnes. C'est ce que tu subis maintenant, Bobor, parce que... Alexandre Borgia, nous t'adressons nos sentiments les plus purs et les plus sincères, mon frère. J'espère qu'on va se voir bientôt pour s'accoler. C'est l'heure de retrouver celui aussi dont c'est la fête que des Alexandres aujourd'hui. Et si on faisait des trucs en alexandrin? Ouais, non, ça va être trop chaud. On retrouve Alain Berthier pour une rubrique tout en finesse, tout en douceur, tout en musique aujourd'hui. Alain, tu es là? Alain? Alain? Salut Paul, salut Linda, comment ça va?
comment ça va? Ça va Alain, elle est super ta chemise. Ah oh, non, arrête. T'as vu, j'ai fait le signe comme on dit bonjour quand on est à l'armée, alors que non. Ah non, on n'est pas à l'armée. J'ai trouvé une super chanson, c'est la chanson, c'est la chanson que tu me chantais, je me souviens, quand on était au collège. Ouais. J'étais hyper triste et seul et solitaire. Et ouais. Toi, tu venais dans ma chambre le soir. Oui. Et on se rejoignait en secret, tu me chantais cette chanson. Faut pas allez, dire. C'est parti, tu vas reconnaître tout de suite, je crois. D'accord. J'espère que je vais reconnaître. Un zeste de citron. Tes baisers sont si doux. Un zeste de citron. Pa 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 pa. Limonade sèche. Je t'aime, t'aime. Je t'aime plus que tout. Pa 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 pa. Jamais ensemble. Et le plus beau, le plus violent, le plus dur, le plus endurant. Exquise, esquisse. Délicieux enfant. Ma chair et mon sang. Audacieux la fille sur ce truc. Et voilà. Aïe. C'était pour te dire, Paul, que dans mon cœur, t'es plus qu'un ami pour moi, t'es comme un père. Oh, tu vois ce que je veux dire. À demain, Paul. À demain, merci. Oh là, aujourd'hui, c'était dur, Aurélina. Franchement, j'ai envie de te dire merci Alain pour vraiment ces beaux moments. J'ai perdu ma fiche, Lina. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'en ai marre. C'est pas grave. Bon, bah, Lina, on enchaîne avec les. Allez, là, regarde pas, j'étais assis dessus. Je l'avais pas vu, pourtant, mon... Bah, bref. T'inquiète, je suis là, je suis ton assistante. Tu passeras me voir dans mon bureau. Linda, bien sûr, ce qu'on aime bien dans cette émission, c'est la musique. On aime bien rire, on aime bien s'envoyer des petits messages les uns les autres parce que je vois qu'il y en a, ils suivent pas trop l'émission parce qu'ils passent leur temps à s'envoyer des messages, nanana. Donc voilà, mais on aime bien aussi réfléchir, et réfléchir en s'amusant. Et quoi de mieux pour réfléchir en s'amusant qu'un bon petit rébus? Oui, allons-y. Alors, je tenais juste à dire à Valéria... C'est bon parce que je garde ma tête. Ouais, Valéria, je suis désolée, en fait, ton rébus ne passait pas. Donc, est-ce que tu peux nous le renvoyer demain dans une autre... juste en JPEG, si non, mais Linda, tu l'envoies voilà. Tu dis pas ça dans l'émission. Ouais, mais je lui avais dit, comme j'ai fait le montage un peu tard, et ben voilà. T'as monté un peu tard. Alors, premier rébus, attention. Tout le monde est concentré chez lui, je veux de la bonne réponse. Alors, par contre, ça, je suis désolée, mais ça, c'est non. Si, merci. Ça, c'est gobé. Arrête. Ça. Je m'en fous, je vais foutre un scotch dessus. Arrête. Non, tu n'as pas la télé. Déjà que c'est... Oui, d'accord. Alors, attention. 20, cible, plumard, œuf. Non. C'est quoi? Alors, 20 000 lieues... À 20 000 lieues sous les polymères. 20 000 lieues sous les polymères. Ouais. Bravo. C'est chaud, il est chaud, c'est j'avoue. Et je les ai pas bossés avant, alors du coup. Poupou et Linda, l'émission. Putain, mais arrêtez avec ça, sérieux. C'est pas Poupou et Linda, l'émission, putain. C'est marqué au début. Non, mais ça. À un moment donné, c'est chiant. C'est allez, oh non, mais moi, j'ai rien aussi. Je fais plus des spectacles et tout. J'ai que Poupou l'émission. Bah, tu m'as moi. Bonjour, Linda. Je préfère un badge des Ramos. Non, mais après, tu seras tout seul. Je préfère un badge des Ramos. Linda, je te quitterai jamais. Ou alors, si par exemple, je te tuais par accident. Linda, alors. Et puis merde, je vais
ta droite. Et puis merde, je vote à droite, celle-là est facile. T'as vu, je l'ai eu tout de suite. Bravo, j'adore les rébus, Linda. Mais qui dit rébus dit aussi. Voilà, on a bien réfléchi, c'est comme avec les enfants. T'as bien travaillé, t'as le droit à un petit cadeau. Ton petit cadeau est tout simplement une bonne blague, pardon, qui nous a envoyé par Delphine. Delphine et Diego. Delphine nous dit qu'est-ce qui court et qui se jette? Elle est vachement bien, moi je sais. Une courgette. Allez, c'est validé. Bravo. Linda, je suis là. On enchaîne, mais bah non. On enchaîne, vas-y. Mais enchaîne, Linda, mais oui, mais oui. Et vous êtes au cœur de Poupou l'émission, une émission incroyable. Le super SAV de Poupou l'émission. Assistance Poupou, assistance Poupou. Assistance Poupou, bonjour. Et donc, on va plus en soirée. Ah non, confiné jusqu'au 11 mai, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on est, t'aurais dû venir. On a fait une soirée française des jeux. Oh. Ah bon? Ah ouais, c'était trop bien. On a fait le grattage et le tirage. Ah. Grattage, tirage. Assistance Poupou, bonjour. À poil. Ah non, ta gueule. Bah non, à poil. Ah bah non, ta gueule. Assistance Poupou, émission. Bravo, on vous embrasse. Une émission de qualité ne peut avoir que des spectateurs de qualité qui produisent des choses de qualité. Enfin, je dis ça, ça dépend. Hein. Pour Sandrine ou Florian avec leur blague d'hier, voilà, c'est pas bon de l'entendre. Hein. Je rigole. On vous embrasse, les petits loulous. Une autre blague, David. Pourquoi les Bretons, ils ont froid que d'une seule main? C'est une blague qui nous a envoyée par David. Parce qu'ils ont Guingamp. Ok, merci David. Mathilde nous envoie. Deux amis discutent. Il y en a un, il dit à l'autre: ouais, hier je me suis disputé avec ma femme et tout. Et l'autre il dit: ah ouais, comment ça s'est terminé? Et l'autre il dit: ha ha ha, elle rampait devant moi. Et l'autre il dit: ah ouais, qu'est-ce qu'elle te disait? Bah elle me disait: ouais, sors de dessous de lit, espèce de lâche. Ok. Angeline nous envoie deux œufs au frigo. Il y en a un qui dit à l'autre: t'es moche, en plus t'es plein de poils. Et l'autre lui dit: bah oui, je suis un kiwi, connard. Thierry nous envoie: pourquoi, alors attention, c'est là, pourquoi les boîtes à lettres à Prague sont à 2 mètres de hauteur, Linda? Car les tchèques postent haut. Linda, ça doit être la troisième fois que tu as compris depuis qu'on est ensemble, Linda. Tu fais beaucoup de progrès et tu passes directement au troisième ce soir, Linda. Voilà, on te donne le brevet. Il y en a qui disent que s'il n'y a pas le duo, ils vont bouder. Ouais, et ben bouder. Non. On est sur un duo, mais on est en train de le préparer. On trouvait pas la... Pour de vrai, c'est vrai. Dans ma grande magnificence et ma grande bonté, j'ai décidé d'accorder à Linda le droit de chanter avec moi. Elle est en train de choisir un duo. Pour l'instant, elle choisit que de la merde. C'est pour ça qu'on ne fait pas de duo. Voilà. Moi, j'étais sur Slimane et Vita. Et ouais, malheureusement, elle ne veut pas. Alors voilà. Donc, Linda, c'est fait. On a fait les petites blagues. On remercie tous les gens qui nous envoient des blagues. Ça fait toujours plaisir. Linda, on passe tout simplement à une rubrique qui a déjà beaucoup de succès. Elle a commencé hier et pourtant, on a déjà encore reçu des trucs. C'est la rubrique Poupou Rencontre. Si toi aussi, tu es célibataire et par le biais de Poupou l'émission, tu espères trouver l'amour, tu peux envoyer une vidéo de 30 secondes maximum pour te présenter et espérer peut-être taper dans l'œil d'un téléspectateur très beau ou très belle. Et je suis sûr que derrière cet écran, ils sont nombreux. Enfin, ça dépend parce qu'il y en a que je connais personnellement et franchement, c'est pas gagné. Mais en tout cas, c'est la rubrique... Comment ça s'appelle déjà? Rencontre. Poupou Rencontre. Alors, il y a une réponse. Oh, t'es chaud. Mais pourquoi Linda ne peut pas passer à la vidéo tout de suite? Mais parce que t'expliques pas bien. Mais j'ai dit Poupou Rencontre, j'ai tout dit en plus. Non, il y a une demande et il y a une réponse. T'as pas dit qu'il y avait une réponse? Il y a une demande et il y a une réponse. Super. C'est bon, j'en sais rien. Je vais pas préparer l'émission, Linda, aussi. Tu m'engueules. T'es méchante avec moi, les gens, ils le savent. Oh. En plus, t'as même pas mis play. En plus, t'as cassé l'ordinateur. T'es stressé en plus, tu vas pas y arriver parce que je te stresse. Faut que t'appuies sur play. Mais non, regarde, il y a le truc. Oh, mais c'est toi aussi, t'arrêtes pas de dire des trucs. Des rencontres très fatales. Bonjour, Poupou Rencontre. Ma maman cherche un amoureux. Il faut aimer les chats, aimer les lapins et ne pas être allergique. Et surtout être beau, pas être alcoolique, pas être... Ah merde. M'aimer et m'aimer maman. Oui, on aime bien l'amour. Et si vous existez, merci et au revoir. Merci, hein. Ok, Des rencontres très fatales. Moi aussi, je peux le faire. Tu fais pas si bien. Salut Poupou et Linda, salut à tous les auditeurs.
Alors hier, j'ai vu l'annonce de Isa qui cherche un amoureux. Moi, j'étais sous le charme hein, parce que ça match. Isa, comme son nom l'indique, elle est belle. Hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle Isabelle. Sinon, elle s'appellerait Isa moche ou Isa pas terrible. Bravo, c'est gagné. Voilà. Donc bon, moi, sinon, c'est Fabien. J'ai une bonne trentaine d'années à peu près, comme toi, Isa, je pense, hein, vu ton physique de jeune femme. Sinon, niveau physique, je dirais que je suis un mélange entre Guillaume Canet et Johnny Depp. Ça fait Guillaume Depp ou Johnny Canet, comme tu veux. Donc voilà, bon, il n'y a pas que le physique qui compte, hein. Je sais aussi cuisiner comme Maïté, hein. Heureusement je ne lui ressemble pas, hein, c'est déjà ça. Sinon j'ai un cœur tendre comme Jean-Marc Sauvignard, et puis je suis presque aussi drôle que Paul Léger, ouais. Mais encore pas tout à fait, j'y travaille. Ok. Donc voilà, si t'es intéressé par mon annonce, eh ben, j'espère qu'on pourra se contacter, tu peux toujours m'envoyer un pigeon voyageur ou faire des signaux de fumée, j'essaierai d'y répondre rapidement. Voilà, allez, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et oh merci. Vous pour rencontres des rencontres très fatales. Eh bien écoutez, pour rencontre, c'est un gros succès, bam bam, déjà, deux épisodes et bam, il y a déjà un matchage. Donc Isa, c'est le message, s'il passe par moi pour dire oui, pour dire non. En tout cas, voilà, les bases d'une relation sont posées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète ce que j'ai dit au début, un subtil mélange d'amour, de musique et de rire, nous tenterons d'écrire ce soir tous ensemble la partition de l'amour. Oh, qu'est-ce que t'es romantique. C'est, voilà, c'est pas des connards comme Trio qui te feraient des trucs comme ça. Hein. Ça, je vais te le dire, rigole pas parce que c'est vrai qu'ils sont pas tous, mais il y en a là-dedans, c'est des connards. Bon, Linda, on passe tout de suite avec quelqu'un qui a énormément bossé parce que figurez-vous que Willy aujourd'hui nous a envoyé non pas une vidéo, mais une vidéo pour aujourd'hui. Et Paul. Ah, Willy et Paul, dans un reportage tout en tendresse, tout en douceur. C'est un moment qu'on affectionne tous, c'est le moment qui est sponsorisé par une marque de lessive, mais je peux pas dire c'est quoi parce qu'on avait dit qu'on ferait pas de pub dans l'émission. Willy, c'est à toi. Willy, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai fait un cauchemar, Paul. Ah merde, c'est quoi? C'était quoi? Il y avait un virus qui arrivait sur toute la planète entière et on devait rester confinés chez nous. On aurait prévu le coup, on aurait plein de bières au frigo, des pizzas surgelées et en plus on aurait commandé plein d'hommes et plein de femmes tout nus et ils seraient tout nus tout le temps, ils danseraient autour de nous et ils nous feraient des petits câlins pour qu'on s'endorme et tout. Ce serait trop bien, on kifferait trop. Et ça rassure. Voilà. Détends-toi, c'est bon, c'est bon. Je peux me dormir tranquillement. Oui, chut. On va toujours à Disneyland demain? Mais bien sûr. Et puis après on pourra aller boire une bière. Et pourquoi pas aller dans une pizzeria, manger une bonne pizza comme tu aimes. Oh, tout ce que tu veux, mon Willy. Ah cool. Tu veux passer le l'ours? Ouais, tiens. Merci Paul. T'as rien. Je t'aime Paul. Moi aussi je t'aime Willy. T'as pété? Non, j'ai pas pété, non. Mais si, t'as pété. Ok, excusez-nous, voilà, ça coupe. Effectivement, nous sommes malheureusement tributaires du système informatique international sur lequel nous n'avons malheureusement aucun poids. Linda et moi-même, pauvres pêcheurs, nous n'avons aucune influence sur Internet. On connaît un mec qui bosse sur YouTube, mais il nous a dit peut-être que l'émission elle passera un jour, mais bon, voilà, pas sûr, il a dit. Donc, on verra peut-être. Donc excusez-nous si ça coupe. De toute voilà, façon. Donc encore une super vidéo de Willy et demain. Alors demain. Demain c'est du lourd. Demain c'est du méga lourd. Linda, bien sûr, que serait Poupou l'émission sans bien sûr la rubrique préférée des gens avec ton dicton bien sûr. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants. C'est le jour des enfants. Les enfants les adorent. Ils sont notre vie, ils sont notre passion. Que faut que. Ils sont grands les enfants là. J'ai une photo avec la maman où elle fait un wad avec moi. Ah. Mais on l'a déjà vu lui. Être allergique au gluten évidemment. Mais est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le corps?
Salut. J'aimerais vous raconter une blague. Ok. Que dit un vampire quand il vient de finir de mordre quelqu'un? Je sais pas. Merci beaucoup. Oh, allez, bonne. C'est bizarre. Voilà, il n'a plus. Non, il n'y en a plus. Oh, c'est pas sympa. Ah, Mélo. Quoi? Salut, Poupou et Linda et Morgane. Je vais raconter une blague. Alors, Mélo, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle Face de Paix? Ok. Et salut, Poupou et Linda. Vous connaissez ma soeur, mon frère, mon papa, ma maman? Bon, aujourd'hui, je vous présente ma tante. alors vraiment, ah, ça c'est du beau boulot parce qu'ils ont été obligés de déplier la tente et ça vraiment c'est cool. J'espère que le gamin a pu jouer l'après-midi dedans parce que ça, j'espère que c'est pas une tente pliable parce que deux secondes là, parce que c'est pas deux secondes à la replier, tout le monde s'en accordera. Quoi que Linda, et vous savez que c'est pas mon genre de faire des compliments. Mais toi Linda, pour replier une tente deux secondes, t'es hyper malaise. Tu le fais, elle le fait hyper vite. Ouais, donc n'hésitez pas, si vous avez des tentes de secondes qui ne sont pas pliées, envoyez-les nous. Linda vous les plie et elle vous les renvoie via la poste. On a vu passer des commentaires qui disaient à quand les goodies pour l'émission. T-shirt, casquette, ne vous inquiétez pas, ça viendra. On est sur le coup. On est sur le coup. Si les concerts ne reprennent pas, il va falloir trouver une alternative textile. Beaucoup de... Et à quand le duo? Mais bon, à quand le duo? On a dit qu'on allait faire. Tu veux pas chanter avant toi? Je n'avais rien. Elle est super bien. Elle nous correspond en plus. Bon, si tu veux, d'accord. Linda, c'est le moment des dédicaces. Aujourd'hui, Marion fait une dédicace à Audrey, Arnaud, Dorothée, Florian, Mathilde, Isa, plus la team relou premier rang. La team relou premier rang, c'est ceux qui viennent hyper en avance en nos concerts et qui squattent toujours devant et qui sont chiants comme la mort. Là, ça m'agace, tout ça. Je rigole, je vous adore. Marion, encore bon anniversaire pour hier. Laurent, qui dédicace à nous, mais aussi à Alain, Willy et Yves. Il nous dit merci pour notre boulot, vous êtes beau, fort et tout. Enfin, il utilise plein de superlatifs comme ça. Le mec en a rajouté des pages et des pages. Seb pour Véro, Benjamin pour Karine et Lola. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Annie souhaite un bon anniversaire à son Mimi qu'elle aime, sa Mimi. Oh. Ça, j'ai envie de dire, c'est trop chou. Richard souhaite un bon anniversaire à Pierre et Marie souhaite un bon anniversaire à Maman Monique. Maman Monique, on t'embrasse. Je rigole, c'est pas gentil, mais Monique, j'adore ce prénom. Arrive le moment, bien alors, sûr. Alors, juste, je précise, pour les anniversaires, essayez de nous envoyer le message le jour même, le matin, et pas deux jours avant et tout, parce que comme on a plein de messages... Non, mais ça, Linda, parle pas aux gens. Parle pas, tu leur envoies un message. Là, j'étais en train de parler. Ah, oh, mais tu vas pas faire gentil, quoi pour faire de la flûte que t'as ouais. Bossé en plus. Si, on regarde. Juste, je précise. Ouais, laisse tomber. Non, en fait, j'ai fait un petit sondage hier sur Internet par rapport au fait que, voilà, est-ce que les gens aimaient bien la flûte. Donc, pour l'instant, au niveau du sondage, j'ai 203 plus 85 qui sont plutôt pour et j'ai 37, bon ça c'est assez décevant mais je comprends les gens, la flûte c'est chiant, qui sont contre. Alors je vais lancer bien entendu un sondage suivant. Le sondage suivant, vous pourrez répondre bien sûr, je le lancerai demain. Y a-t-il assez de flûte dans Poupou l'émission? Poupou l'émission mérite-t-elle d'avoir une spéciale flûte? Parce que toi Linda, tu sais super bien de la flûte. Oui, bah oui, moi j'étais très assidue à l'école. T'es un peu la reine de la flûte, Linda. Oui, c'est vrai. Oh oui, d'accord. Tu vois, tu fais des sous-entendus. Pas du tout. Mais non, mais... T'es, ah, non. Ta mère, ce qu'elle a... Maman, arrête. Non. Non, vous me connaissez. Non, je pensais vraiment à l'instrument. Linda, on y va, on enchaîne, parce que mine de rien, le temps passe. Et puis, on a une autre émission en direct sur un autre internet. Donc voilà. À la télé. On peut pas être sur tous les internets. Hein. On est donc sur votre internet à vous, mais il y a d'autres internets. Donc voilà. Nous, on fait 5 émissions dans la soirée. Donc, voilà, on traîne pas. C'est le moment musical. Si vous êtes sur cette page, si vous aimez Poupou l'émission, vous aimez certainement aussi les Fatal Picard. C'est l'heure de la reprise de ce groupe culte mythique avec un invité aujourd'hui qui va peut-être vous surprendre. Oui, celui-là, je ne sais pas si vraiment vous le connaissez. On va le découvrir ensemble, regardez. Salut mon Poupou. Ah mais si, c'est Yves. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va et toi? Mon Poupou, t'avais pas trop la forme ce matin pour te remonter le moral. J'étais un peu triste. Une petite chanson d'amour. Ah. Oui. Mais un pogo d'amour. Ouais! Ok, c'est parti. Je passe le top. Ok.
On pogote pas parce que sinon on va débrancher le câble. D'accord. C'est déjà... Ah merde. Accrochez la mienne. T'es les baleines au galop en plus de ta couleur tout que notre amour. Et t'es né du pogo. J'ai sauté ton épaule, brisé ma cloison nasale. La caresse de tes dogs sur mon épine dorsale. J'aime entre toi t'avoir murmuré tendrement. J'ai transformé en puzzle pour offrir un moment. Un pogo d'amour. Un pogo du jour. Un pogo d'amour. Allez, viens faire un tour de tout côté du slam. Et je tape dans la fosse comme un aigle royal. Enfin, pas vraiment comme un aigle royal. Mais comme un albatros, comme un déjà programme. Après avoir perdu une vingtaine de molaires, on ira faire l'amour autour d'une bière. Tu me diras je t'aime, je te dirai je t'aime. On sera comme des rois en plongeant dans l'arène. Pogo. 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 Pogo, 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 pogo d'amour. Ouais, pogo, 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 pogo d'amour. Mais la société, elle est hyper mal faite, car on peut pas pogoter à la piscine. On peut pas pogoter dans la cocaïne. On peut pas pogoter dans une mosquée. On peut pas pogoter chez les curés. On peut pas pogoter à la synagogue. On peut pas pogoter chez son gynécologue. On peut pas pogoter sur le premier abord. Mais on peut pogoter sur les fantômes piquants. Pogo, pogo. Et pogo pogo. Wesh pogo pogo pogo. Pogo pogo pogo. Pogo pogo. Pogo pogo pogo. Ouais. Ah, tu nous as bien mis mon frère. Wouh. Oh Lina, bien sûr. Wouah wouah wouah. Ah, tu t'es donné. De la sueur de chant. Oh putain. Excusez-moi, je reprends mes esprits, c'est peut-être un peu le pour le genre dans la caméra. Alors Linda, bien sûr, bravo, bravo à toi pour cette émission. Merci. Finement réalisée, on n'a pas eu de problème par rapport à hier. Et ça, vraiment, c'est cool, putain la vache. Ah ouais. C'est vrai que chanter une chanson, je suis déjà décalé, mais alors quand ça rapporte les concerts, faut en chanter 22. Oui, oui. Oh, oh, oh. J'espère que je n'ai pas chopé une mauvaise réponse. Alors, on y va. Ça, c'est déjà fait. On l'a pas fait. Ça, on l'a pas fait. Ça, on l'a pas fait. Rappelez-vous aujourd'hui, malheureusement, nous avons tenté un subtil mélange d'amour, de musique et de rire. Nous tentions, avec nos faibles moyens, d'écrire la partition de l'amour. Je suis obligé de le lire parce que je ne m'en rappelais pas. Linda, concentration maximum. Ouais. Je fais ma coupe de mentaliste. Qu'est-ce qui passe sur Amradio? Moi, je retente Christophe May. Ok, moi, je tente Joss Jonathan. Pas mis l'antenne. C'est pas grave, ça marche quand même. Ouais. Vas-y, vas-y. Oh putain, j'étais pas loin. Oh, c'était les deux. Ah, c'est les deux franchines, ouais, c'est chiant là. C'est pas comme si on l'avait jamais. Oh là là, ça m'agace cette chanson. Linda, heureusement, nous avons autre chose à proposer aux gens. Une autre qualité musicale, quelque chose qui nous est revenu par ailleurs. Okay. C'est tout simplement la chanson de Poupou l'émission. Alors attention Lina, c'est à toi. J'espère que t'as bien passé ton truc parce que les gens sinon ils vont le savoir. T'inquiète pas, je regarde. T'inquiète pas. Détends-toi. Attends, parce que là, t'es beaucoup trop près. Eh mais attends, Linda, je suis en train de réfléchir à un truc. Je joue de la gratte, tu chantes. C'est un duo. Alors non. Et ben voilà. Et ben c'est fait. Allez, salut. Comme ça, vous arrêtez de nous envoyer. Allez, Poupou l'émission. Poupou l'émission. Poupou l'émission. Poupou l'émission. Tempête a éclaté, tous les arbres se sont déracinés, et une famille de lapins est coincée sous un gros sapin. Heureusement, il y a Poupou l'émission, avec Linda et ses mains bioniques. Elle soulève le pain avec son petit doigt et sauve la famille lapin grâce à Poupou l'émission, Poupou l'émission, Poupou l'émission, Poupou l'émission. Là, non. L'émission.